Tu sais, quand le lapin de passe passe en sidou, là, tu sais que t'es au bas en masse. Pour le capitaine, ça va être des crêpes avec beaucoup, beaucoup de sirop d'érable. Et avec du bacon et des beans au sirop d'érable aussi. Des shooters de sirop d'érable. Shooters de sirop d'érable. C'est ça, tu comprends? On est parti ce matin de Highburn Key, on s'en va direction de Nassau. Ça fait vraiment bizarre parce qu'on est parti qu'il y avait pratiquement zéro vent. On est parti très tôt le matin parce que dans l'après-midi, le vent va commencer à souffler, il va commencer à souffler plus au nord. Fait qu'on a eu un vent de face tout le long en s'en allant. Le matin, il n'y a pas de vague pantoute. C'est une très belle occasion de partir à moteur. Puis on fait partie d'une nouvelle famille parce qu'il n'y a aucun voilier à l'horizon. C'est juste des bateaux à moteur aujourd'hui. C'est carré qu'on n'a plus de mât. On passe en dessous d'un pont pour la première fois, sans mot. On check plus en haut, c'est le stress. Puis le capitaine a passé une nuit assez ordinaire parce que il y a beaucoup de vent ici, puis on était très proche d'un bateau qui s'est mis derrière nous. Donc ce matin, on s'est avancé puis on s'est assuré que notre ancre tenait bien. Fait qu'on s'est avancé un petit peu vers les bateaux de croisière pour s'assurer que pas être trop proche des autres bateaux derrière, en fait, puis pas rentrer dedans pendant du vent, puis tout ça. Fait que notre ancre est bien settée. Fait qu'on est prêt pour les 30 nœuds qu'annonce à Nassau. On n'était pas sûr si on allait filmer encore Nassau, étant donné qu'on est déjà passé par ici et qu'on a déjà une vidéo qui a été uploadée sur Nassau.
Par contre, on a décidé de partager avec vous le côté plus ville de Nassau, en fait, les accommodités, tout ça, qu'est-ce que, où que nous on va. Et puis, on va commencer en vous disant où est-ce qu'on stationne pour gratuit. En fait, il y a une place pour se stationner à la Marina Bay Street Marina qui coûte 10 $. Donc, nous, on cherche toujours les endroits où on peut se stationner gratuitement. Donc, on a trouvé un endroit au Rubies. Vous traversez les deux ponts. Ensuite, vous allez voir les bateaux poubelles. Vous continuez. Ensuite, vous allez voir une pancarte Rubies. C'est là. Le quai est vide. Vous vous stationnez votre dinghy le plus près possible de la gate. Puis ensuite, vous avez accès à la ville, à l'épicerie pour gratuit. Puis ça ici, derrière moi, c'est le Fresh Market. C'est une épicerie qui a 2 minutes à pied dans le fond du stationnement gratuit. Par contre, c'est une épicerie qui est un petit peu plus dispendieuse. Il y en a une autre qu'on avait filmé dans notre première vidéo de Nassau qui s'appelle Super Value. C'est un petit peu moins dispendieux qu'ici, mais c'est une très belle épicerie. Par contre, là, celle-là, c'est une très belle. Là, j'ai pas besoin d'y aller aujourd'hui, fait que on ira pas. Mais c'était juste pour vous montrer que c'est la grande épicerie. Très en face du supermarché aussi, il y a un 700 Wine and Spirit. C'est une belle petite place pour si vous avez soif, pour arrêter. Et pour trouver l'endroit, quand vous sortez de la station de service, vous allez juste virer à gauche, puis c'est pas longtemps à droite, vous le voyez. Vous voyez le Starbucks, puis tout dans les grands stationnements. Vous avez aussi un magasin de linge sport. Je pense qu'il y a un Dairy Queen aussi, dans le fond, si jamais vous ennuyez de la maison. Direct en arrière du Starbucks, il y a un gros container, si vous voulez mettre vos vidanges, gratis. Il faut juste trouver les petits endroits, hey, on a sauvé 5 $ aujourd'hui. Puis en plus, sauver 10 $ pour le dinghy dock, en venant ici au Rubies. Argent sauvé, 15 $. Les trottinettes et le one wheel sont pas d'une grande utilité en ville. Les trottoirs sont soit très hauts, soit très étroits. Très étroit. Puis la route, on n'en parle pas. C'est un one-way, puis c'est très, très, très étroit aussi. Fait que c'est plus ou moins pratique. Un autre petit Marine Supply Store. Cordage, ligne, des boyaux. Mais je vais vous apporter la meilleure place à aller à Nassau pour les pièces de bateau. Des bougies, on a acheté des pannes de plongée pour remplacer celles que Marie on a donné à Neptune. Comme ça ici, c'est un concessionnaire dépositaire Yamaha, fait que vous pouvez avoir des pièces Yamaha, vous pouvez même acheter des hors-bord. Il y a quand même des ventes, du stock de plongée, du stock de pêche, fait que c'est une belle petite place à arrêter si vous avez besoin de quoi pour que ce soit pour votre bateau. J'ai rien donné à Neptune. Neptune les a volés. Neptune en a pris beaucoup de choses. Ouais.
ouais, ici c'est comme la petite place là, des locaux. C'est vraiment beau. Vous pouvez manger, pour prendre une bière. Belle petite place. L'ambiance ici. On a traversé le pont, on est rendu sur Paradise Island. En arrière, c'est le gros hôtel d'Atlantis. Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Puis on a déjà filmé dans notre dernière vidéo de Nassau, fait qu'aller voir ça. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour à Atlantis, d'aller visiter. C'est vraiment beau à voir. Et ici, comme vous remarquez, c'est vraiment le côté touristique de Nassau. L'endroit pas pareil, le monde pas pareil, le décor pas pareil aussi. Beaucoup plus touristique. Puis moi, pour être honnête, je préfère de l'autre côté. C'est authentique, c'est plus l'authenticité au bord. J'ai filmé ici juste pour vous montrer un différent secteur juste avant l'arrivée des bateaux de croisière. Vous allez voir vraiment là, que le quartier va changer. Bateau de croisière en arrière, le quartier change. On avait un gros nuage noir, on a réussi à s'échapper, mais cette fois ici, je pense qu'on va se faire ramasser comme du vent. Où on clenche. On n'est pas arrivé à temps. On est à la station de service, on va attendre un peu que la puce calme. Sinon, la ride à Denis, elle va être longue. Déjà 30, la ride en Denis. Là, ça serait. Doublement. Ouais. Ça conclut notre petite visite de Nassau, la petite promenade en ville. Alors, venez, on est les nouveaux voisins. On sera jamais rentré à ce niveau-là. J'aime bien nos niveaux. Bien correct.